Ce mardi 5 septembre sur le plateau de C8, Estelle Denis a fait des confidences sur ses menaces de mort et insultes qu'elle reçoit très fréquemment, sujet sensible qu'elle avait déjà évoqué cash à l'antenne de RMC Story, en décembre 2021. Dans l'émission PAF, animée par la journaliste Pascale de la Tour du Pin, la maman de Victoire et de Merlin Domenech a ainsi rebondi sur ses anciens propos, à savoir qu'elle recevait quotidiennement 50 messages haineux par jour et qu'il y avait une quasi-totale impunité judiciaire de ses internautes. Même si cela lui arrive moins, plus d'un an après ses révélations faites dans son émission du midi, Estelle Denis a affirmé, en toute franchise, « Alors après, 50, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais en revanche les insultes. Ça, si est-ce, je ne sais pas. 9 messages sur 10, des menaces etc. » Revenant sur le débat qui était lancé dans son émission du midi avec ses chroniqueurs sur la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux de ses détracteurs virtuels et dont l'extrait a été dévoilé dans l'émission de C8, la présentatrice de 46 ans a indiqué y être favorable, notamment pour durcir le ton et dissuader les agresseurs en ligne. Une absence de sanctions judiciaires qui encourage les cyberharceleurs ? Si est-il vrai que sur RMC, on a cette chance de pouvoir aussi parler de nous, c'est-à-dire de donner notre avis. Souvent, en télé ou dans les médias, les animateurs ne donnent pas leur avis, a-t-elle glissé auprès de Pascale de la Tour du Pin, d'Isabelle Morini-Bosque et de Damien Canivet. Pour rappel, sur le plateau d'Estelle Midi il y a près de 2 ans, elle balançait, en colère, pour ses menaces de mort, qu'elle reçoit fréquemment sur les réseaux sociaux, note de la rédaction, ce n'est pas 300 euros, d'amende, si est-ce 0. Moi, je suis désolé, mais ces gens qui menacent de mort mes enfants, je ne sais pas qui ils sont. Il s'appelle Mamie du 62, truc du 64. Avec conviction, l'animatrice télé ajoutait, s'il y avait une levée de l'anonymat, ces gens-là ne vous menaceraient pas de mort et n'insulteraient pas un enfant. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran C8. Just need some